Dans les rues d'Ankara, seuls les moteurs des tanks et des véhicules de la police viennent perturber le calme ambiant. La capitale turque semble déserte et les rares attroupements sont ceux des policiers. La tentative de coup d'État a profondément choqué les habitants. C'est la plus grande trahison contre la nation turque. De nos jours, un tel putsch, ou même le fait de l'envisager, c'est puéril. Quelles étaient les chances que cela réussisse ? Un calme qui tranche avec la violence de la purge initiée par le président Recep Tayyip Erdogan. Des dizaines de généraux, de juges et de procureurs ont ainsi été arrêtés ce dimanche pour leur implication présumée dans le coup d'État. Une situation que déplorent certains habitants. Ce qui s'est passé donne une mauvaise image des soldats turcs, mais cela dessert aussi le gouvernement et cela laisse une image négative sur le plan international, ce qui affecte la psychologie des jeunes. C'est la nation turque unie qui a repoussé le putsch. Un pays uni le temps d'une soirée, mais les conséquences de ce coup d'État ont déjà commencé à le diviser.